be sick. Il sera malade. So to heal. Alors pour guérir. Was not even his will in the beginning. Even when Jesus was upset. Même si Jésus était en colère. Yet he healed. Say with me, I refuse. I refuse. Sickness. In my life. You are going to pray for the word of God. Et pour la parole de Dieu. Say, Lord, open my spirit today. Dis, Seigneur, ouvre mon esprit aujourd'hui. To receive the word from you. Afin que je reçoive la parole venant de toi. The Bible says, Bible dit, men and women of God spoke on God's behalf as they were moved by the Spirit of God. If men could speak on God on behalf of God only when they were moved by the Spirit, you cannot understand the things of God without the Spirit of God. So say, Lord, speak to me. Dis, Seigneur, parle-moi. Let us pray. Nous prions tous dans le nom de Jésus. So the lesson number two today. Alors, la deuxième leçon aujourd'hui is what is the will of God about miracles and healings for you? Quelle est la volonté de Dieu à propos des miracles et des guérisons pour toi? What is the will of God? Quelle est la volonté de Dieu? So the will of God about miracles and healing for you. Alors la volonté de Dieu concernant les miracles et les guérisons pour toi. And we know that miracles. Et nous savons que les miracles don't happen. Mais ne déroulent pas comme ça. Miracles are prepared. Les miracles sont préparés. Now we are going to open our Bibles. My prayer is that you may understand and catch these things. Alors ma prière est que vous puissiez comprendre et saisir ces choses. Last Sunday. Le dimanche passé, I explained to you many things. Je vous ai expliqué beaucoup de choses. Today, aujourd'hui, I'm going to explain you some of the things again. Alors je vais encore vous expliquer quelque chose. And so on. Et ainsi de suite. Romans chapter 12, verse 2. Livre des Romains, le chapitre 12, le verset 2. Romans chapter 12, verse 2. Livre des Romains, le chapitre 12, le verset 2. Are you there? Amen. Speak to the person next to you. Miracle is available. Tell the person qui est à tes côtés, miracle is available. Le miracle est disponible. Now change the neighbor and choose someone who seems to understand you. Miracle is available. Miracle is available. God bless you, brother Tom, because it seems like Sister Valerie didn't understand you, so you chose someone who can understand you. That's a good move. Le miracle est disponible. So if you see someone who doesn't understand you, just change the number. Are you still there? Amen. Miracle is available. Le miracle est disponible. Romans chapter 12, verse 2. Livre de Romains, chapitre 12, le verset 2. The Bible says, la Bible dit, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. When Jesus healed people, quand Jésus a guéri les gens, he didn't start by healing them. Il n'a pas commencé par les guérir. We saw in the Bible that he started by teaching them. Nous avons vu dans la Bible, il a commencé par les enseigner. So you discover three steps in the ministry of Jesus. Vous allez découvrir trois étapes dans le ministère de Jésus. The Bible says he went from village to village. Il allait de village en village. City to city. De ville en ville. Teaching. Enseigner, preaching et en prêchant, and healing. Et en guérissant. So step one was la première étape, teaching, enseigner, and then preaching, et après prêcher, and then healing. Et après guérir. He didn't start by healing. Il n'a pas commencé par guérir.
commencé par guérir. Then teaching. Et après enseigner. And preaching. Et prêcher. He started by teaching. Il a commencé par enseigner. Preaching. Et prêcher. And healing. Et guérir. So teaching came first. Alors d'abord il a commencé par la. Then preaching. Et après la prédication. And then healing. Et après la guérison. So if you don't want teaching. Si tu ne veux pas l'enseignement. Or preaching. Ou alors la prédication. But you want healing. Et tu veux que le miracle. You have more difficulties in your life. Tu auras beaucoup de difficultés dans ta vie. Are you still there? Amen. You have more difficulties in your life. Beaucoup de difficultés dans ta vie. The Bible says, la Bible dit, do not be conformed to this world. Ne vous conformez pas au siècle présent. But be transformed. Et soyez transformés. Do not be conformed to this world. Ne vous conformez pas au siècle présent. Do not accept everything that the world accepts. N'acceptez pas tout ce que le monde accepte. Because you see, que tu vois, anything you accept, tout ce que tu acceptes, will stay, restera, and everything you reject, tout ce que tu rejettes, will go, et partira. It is a spiritual reality. C'est une réalité spirituelle. Everything you accept, tout ce que tu acceptes, everything you endorse, tout ce que tu endorses, will stay with you. Restera avec toi. Anything you reject, tout ce que tu rejettes, anything you refuse, tout ce que tu refuses. Will go partira. In one way or another. D'une manière ou d'une autre. It will go. Et cette chose partira. Anything you reject. Tout ce que tu rejettes. Will go. S'éloignera de toi. Anything you accept. Tout ce que tu acceptes. Will stay. Restera avec toi. This is a law. Ça c'est une loi. In the spiritual realm. Dans le domaine spirituel. Are you still there? Amen. It is a law in the spiritual realm. C'est une loi dans le domaine spirituel. The Bible says. La Bible dit. Do not be conformed to this world. Ne vous conformez pas au siècle présent. To be conformed. Se conformer. Is to behave. C'est comporter. In a common way. Dans une manière normale. To behave. De se comporter. Like everyone else. Comme toute autre personne. Like the society. Comme la société. So the Bible says, do not be conformed to this world. Ne vous conformez pas au siècle présent. But be transformed. Mais soyez transformé. By the renewing of your mind. Par le renouvellement de votre intelligence. Your mind needs to be renewed. Alors votre intelligence doit être renouvelée. Because you see the world. Parce que le monde. Don't know the will of God. Ne connaît pas la volonté de Dieu. Anytime something evil happens, chaque fois que quelque chose de mauvais arrive, they say it is the will of God. Et ils disent que non, c'est la volonté de Dieu. Are you still there? Amen. Anytime something evil happens, chaque fois que quelque chose de désagréable arrive, they say it is the will of God. Ils disent que c'est la volonté de Dieu. When the tsunami. Quand le tsunami happens, c'est arrivé. They say it is the will of God. Donc, c'était la volonté de Dieu. It's because they don't know. C'est parce qu'ils ne savent pas. The will of God. La volonté de Dieu. And then the Bible says, don't be conformed. Ne soyez pas, ne vous conformez pas. Don't be like them. Ne soyez pas comme eux. But be transformed. Mais soyez transformé. Number two, be transformed. Soyez transformé. Number one, don't be conformed. D'accord, ne vous conformez pas. Don't be like them. Ne soyez pas comme eux. Don't behave like them. Ne vous comportez pas comme eux. Because you see, when something happens, parce que quelque chose va arriver, we expect. Nous espérons. We expect to see the world reacting in a certain way. Nous espérons avoir le monde réagir d'une certaine manière. When the global crisis hits the world, quand la crise globale est venue. The world reacted in one way. Et le monde avait réagi d'une certaine manière. But Christian, mais les chrétiens, must react in a different direction. Doivent réagir d'une autre manière. Because if you start to react, parce que si tu commences à réagir, according to the world, comme le monde, you will be like them. Tu seras comme eux. And you have the same result like them. Et tu auras le même résultat comme eux. The Bible says, la Bible dit, do not be conformed. That's number one. D'abord, ne vous conformez pas. Number two. Deuxièmement. Be transformed. Soyez transformé. Be changed. Soyez changé. Métamorphose. Métamorphose. Be changed. Soyez changé. How? Comment? By the renewing of your mind. Par le renouvellement de votre intelligence. Because if your mind. Si votre intelligence. Is not renewed. N'est pas renouvelée. Your actions. Tes actions. Will not change. Ne vont pas changer. Are you still there? Amen. Until you think otherwise. Sauf si tu raisonnes autrement. You cannot act otherwise. Tu peux pas réagir autrement. Are you getting something? Amen. Until you think
differently. Parce que tu vas raisonner d'une manière différente. You will not act differently. Tu n'auras pas à réagir différemment. If you think si tu raisonnes that the key will open the door, si tu penses que la clé va ouvrir la porte, you will always open the door using the key. Et tu ouvriras toujours la porte en utilisant la clé. But the day you will think, mais le jour où tu vas penser that opening the door in better ways to break the door, que pour ouvrir la porte alors il faut la casser, you will change, you will break the door. Et tu vas changer puis tu vas casser la porte. Because if your mind doesn't change, alors si ton intelligence ne change pas, your actions will not change. Tes actions ne vont plus changer. Because everything, parce que tout starts from the mind. Commence par l'intelligence. Everything starts inside here. Toute chose commence par la tête. Once your brain is dead, et quand ton cerveau ne fonctionne plus, your body will not work. Ton corps ne va pas non plus fonctionner. Are you still there? Et the Bible says, la Bible dit, be transformed, soyez transformé by the renewing of your mind. Par le renouvellement de votre intelligence. You cannot renew your mind. Tu ne peux pas renouveler ton intelligence. Unless you put into your mind new informations. Sauf si tu mets de nouvelles informations dans la tête. Are you still there? Amen. The only way to renew your mind, la seule manière de renouveler l'intelligence, is to give to your mind new information. C'est donner de nouvelles informations à ton intelligence. Without new information, sans nouvelles informations, your mind cannot be renewed. Son intelligence ne peut jamais être renouvelée. And the Bible says, la Bible dit, be transformed, soyez transformé, by renewing your mind, par le renouvellement de l'intelligence. And the only information, et la seule information, that can renew your mind, qui peut renouveler ton intelligence, in the direction of God, is by the word of God. C'est par la parole de Dieu. Are you still there? Amen. Only when you hear the word. Seulement quand tu écoutes la parole. People, this is what I do. C'est ce que je fais, peuple de Dieu. When I'm confronted with something, quand je suis confronté à quelque chose, I stay in the word of God. Je reste dans la parole de Dieu. I'll explain to you later, maybe next Sunday. Dimanche prochain, je vais vous l'expliquer. And the Bible says, la Bible dit, renewing of your mind, renouvellement de l'intelligence, so that you may prove, afin que vous discerniez, you may prove, afin que vous discerniez, three things, trois choses. Number one, d'abord, what is good, ce qui est bien. You may prove what is good, ce qui est bon. Is sickness good? Est-ce que la maladie est bon? Answer me, please. Répondez-moi. Is failure good? Est-ce que l'échec est bon? But I'm telling you, je vous dis, the world will say to you, le monde te dira, sometimes quelquefois, we can fail, on peut échouer, and sometimes quelquefois, we can win, on peut gagner. Failure is not good. L'échec n'est pas bon. The Bible says, la Bible dit, that you may prove what is good. Et que vous discerniez ce qui est bon. Number two, what is acceptable. Et ce qui est agréable. Because acceptable. Ce qui est acceptable. Yes. What is acceptable? Ce qui est recevable. Because if you accept everything, parce que si tu reçois toutes choses, it will start to destroy your life. Ça va commencer à détruire ta vie. Don't accept everything. Alors n'accepte pas toutes choses. Now everybody is having flu. Alors tout le monde a la grippe. Now you have flu. Donc tu as la grippe. And you accept it. Et tu l'acceptes. You say it is the period of flu. C'est le moment de grippe. You accept it. Tu l'acceptes. But the Bible says, la Bible, you need to prove what you can accept. Ce que tu peux accepter. I refuse sickness in my life. Je refuse la maladie dans ma vie. I refuse failure in my life. Je refuse l'échec dans ma vie. I refuse death in my life. Je refuse la mort dans ma vie. I refuse everything that does not bring glory to God in my life. Say with me, I refuse. I refuse sickness. Sickness. The Bible says life and death is under the power of the tongue. Do you know, as I'm talking right now, some people are not even talking. But it's the spiritual law. Are you still there? After me, I refuse. I refuse. Failure. In my life. I refuse. Je refuse. Sickness. In my life. What is the perfect will of God? Quelle est la volonté de Dieu?
What is the perfect will of God? Quelle est la volonté parfaite de Dieu? I told you. Je vous ai dit. Since people, puisque les gens, don't know the perfect will of God. Les gens, c'est pas, vous ne connaissez pas la volonté they parfaite de Dieu. They give to God everything that happens in the world. Et ils acceptent tout ce qui se passe dans le monde. They give it to God. Et ils les donnent à Dieu. They give it to God. Ils les donnent à Dieu. Someone is sick. Quelqu'un malade. They say because God allowed it. Donc, parce que Dieu l'a permis. Are you still there? Amen. The earthquake hit America. Le tremblement de terre a touché l'Amérique. They condemned God. Et ils ont condamné Dieu. But God, mais Dieu, full of love and kindness. Il a plus d'amour et de gentillesse. He's just laughing. Et il ne fait que sourire. And he says, et dit, my people, mon peuple, are destroyed et détruit for lack of knowledge. Pour manque de connaissance. Destroyed for lack of knowledge. Détruit par manque de connaissance. What is the will of God? Quelle est la volonté de Dieu? About healing people. Concernant la guérison des gens. Number one. Premier. The will of God. La volonté de Dieu. In the beginning. Au commencement. Was not to heal people. C'était pas guérir les gens. The will of God. La volonté de Dieu. In the beginning. Au commencement. Was not to heal people. C'était pas de guérir les gens. Because His perfect will. Parce que sa volonté parfaite. Was not for men to be sick. N'était pas que les hommes deviennent malades. Are you still there? Amen. God did not create a man. Dieu n'a pas créé l'homme. Who will be sick? Qui sera malade. So to heal. Pour guérir. Was not even His will in the beginning. C'était même pas sa volonté au commencement. His will in the beginning. Alors sa volonté au commencement. Was that man will be sound. C'est que l'homme soit fort. In a perfect health. Soit en bonne santé. Man will not be sick. L'homme ne sera pas malade. That the will of God. Ça c'est la volonté de Dieu. He says, let make man. Il dit, faisons l'homme. Let create man. Créons l'homme. In our image. À notre image. In our likeness. À notre ressemblance. Let man be like us. Que l'homme soit comme nous. God does this make be. God will never be sick. Dieu ne sera jamais malade. He can't be sick. Il ne peut jamais être malade. He says, let make man. Il dit, créons l'homme. In our likeness. À notre ressemblance. To be like us. It was not the will of God to heal people from the beginning. The will of God was for men to be in perfect health, without sickness, without disease. That the will of God. When you read the Bible, from Genesis, from beginning, you will not see where God healed somebody. Tu ne verras pas là où Dieu guérit quelqu'un. Until when Abraham, là où Abraham prayed for Abimelech, a prié pour Abimelech. Because the plan of God, parce que le plan de Dieu, was for man était to live, était pour que l'homme and not die, et que l'homme ne meure pas. And even when man was supposed to die, et même si quand l'homme devait mourir, God didn't want him to die from a sickness. Et Dieu n'a pas voulu que l'homme meure à partir de la maladie. Amen. You understand? Amen. God didn't want men to die from a sickness. Dieu n'a pas voulu que l'homme meure d'une maladie. To die from the age. L'homme voulait que l'homme puisse mourir à partir de l'âge. Old enough. Qu'il soit avancé. Let's read the Bible. Lisons la Bible. Genesis chapter 1, verse 31. Livre de Genèse, chapitre 1er, verset 31. Are you getting something? Amen. I want to revolutionize your mind. Je veux révolutionner votre esprit. I want your spirit to wake up. Je veux que votre esprit soit réveillé. The Bible says, la Bible dit, then God saw everything that He had made, and indeed, it was very good. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très, très bon. Everything that God created, ce que Dieu a créé, was very good. Était très bon. Everything that He created, ce que Dieu a créé, was very good. Était très bon. Meaning, cela veut dire, God, Dieu, didn't create any evil thing. N'a pas créé de mauvaises choses. Are you still there? Amen. He didn't create any evil thing. Dieu n'a pas créé de mauvaises choses. God didn't create any bacteria. Dieu n'a pas créé de bactéries. God didn't create any infection. Dieu n'a pas créé des infections. He didn't create any virus. N'a pas créé de virus. He didn't. No. Because virus is not good. Parce que le virus ne sont pas bons. Infection is not good. L'infection n'est pas bon. Bacteria. Bactéries. It's not good. Bon. But the Bible says Bible, that everything God created ce que Dieu a créé was very good. C'est très bon. Was very good. C'est très
très bon. So it was not in the plan of God. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. To heal people. De guérir les gens. Because he didn't want them to be sick. Parce qu'il n'a pas voulu que l'homme soit malade. How can you explain to me? Alors mais comment vas-tu m'expliquer? Adam was the king of the world. Il était le roi du monde. And the Bible says there was four rivers. Il y avait quatre rivières, quatre fleuves. In the Garden of Eden. Dans le jardin d'Eden. No bridge. Il n'y avait pas de pont. But Adam. Mais Adam was crossing those rivers. Il traversait ces fleuves, ces rivières. Without bridges. Sans avoir les ponts. How? Et comment? The man was just supernatural. L'homme était surnaturel. Now the question is, la question, where the diseases and sicknesses and failure came from? Alors d'où est venue la maladie et la contagion? How can you give to one man? Alors comment vas-tu donner à une personne? How can you bring to one man? Comment vas-tu amener à une personne? All the animals that we have in the world. Tous les animaux que nous avons dans le monde. And ask him to name them. Et demander et demander lui de les nommer. And he didn't give two names to one animal. Et il n'a pas donné deux noms à un animal. Are you still there? Amen. He was not confused. Et il n'était pas dans la confusion. When a dog came, who? You are a dog. Quand le chien vient, l'aide, toi tu es chien. Cat. Toi tu es chat. He gave you cow. You are a peacock. You are a donkey. Toi, l'âne. When a donkey came, alors quand l'âne est venu, he called him donkey. L'âne est venu. And then a mustang came. Et quand le girafe est venu. Mustang. Le mustang est venu. A mustang is just like a horse. Il est comme un cheval. A mustang is just like a horse. Cet animal est comme un cheval. Actually, it's a wild horse. A wild horse. Sauvage. Yeah, he called him mustang. And when the horse came, et quand le cheval est venu, he didn't call horse mustang. He called him horse. Cheval, sauvage. Cheval, what mind Adam had? Mais quelle intelligence Adam a? What mind? Quelle intelligence? But the Bible says, la Bible dit, one day, un jour, the devil came. Le diable est venu. Who came? Qui est venu? Le diable. The devil. Le diable est venu. He came with malice. Il est venu avec malice. You need to understand. Je vais comprendre. That he started, first of all, he wanted to control the heaven. Il a voulu d'abord contrôler le ciel. Do you know that? Est-ce que vous le savez? The devil wanted to control the heaven. Le ciel a voulu contrôler le ciel. That's the reason why. Voilà pourquoi. Revelation chapter 12, verse 7. Apocalypse 2, 7. 12, 7. Revelation 12, 7. Apocalypse 12, 7. The Bible says, dit, then a war broke up in heaven. Il y eut un combat dans le ciel, une guerre dans le ciel. Can you see? Revelation 12, 7. Livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 7. The Bible says, la Bible dit, then a war broke up in heaven. Et il y eut une guerre dans le ciel. Why? Pourquoi? Because the devil. Parce que le diable took his people a pris ses gens and said, let us go and control over to overpower God. Il a voulu détrôner Dieu and control the heaven. Et contrôler le ciel. The Bible says the war broke up. Il y a eu une guerre dans le ciel. God didn't fight him. Dieu ne l'a pas combattu. It was the archangel Michael. C'était l'ange Michael. The Bible says the fight was so strong. La guerre était tellement. He wanted to control, to go in and control heaven. Mais il a voulu y aller et contrôler le ciel. But the Bible says they overcame him. La vérité, ils l'ont vaincu. He could not. Il n'a pas pu. They overcame him. Ils l'ont vaincu. By the blood of the Lamb. And by the word of their testimonies. The devil came down. Le diable est descendu. And he said, now. Il a dit, maintenant. I'm going after man. Je vais poursuivre l'homme maintenant. Now with man. Avec l'homme. He didn't fight. Il n'a pas combattu. He used malice. Il a utilisé une malice. He came to Adam. Il est venu chez Adam. Who was the king of the world? Qui était le roi du monde. He spoke to him. Il a parlé à to the Eve. To Eve. Il a parlé à elle. He spoke to Eve. Il a parlé à elle. Why? Pourquoi? Because he knew. Parce qu'il savait. He said, God. Dieu. Spoke to Adam. A parlé à Adam. And Adam. Et Adam. Translated what God said to him. To his wife. Et Adam avait traduit ce que Dieu lui a dit à sa femme. So Eve, alors Eve, didn't receive revelation straight from God. N'avait pas reçu la révélation venant de Dieu directement. He received the revelation of God through Adam. Elle
reçu la révélation de Dieu par le canal d'Adam. Adam, the devil knew it. Alors le diable le savait. So he went to talk to Adam. Il est parti parler à elle. And convinced her. Et il a convaincu elle. And then Adam. Alors Adam. Also ate the fruits. A aussi mangé les fruits. They passed the rule of the world to Satan. Et ils ont transmis la domination du monde au diable. Now Satan was the new king of the world. Alors maintenant le diable était devenu le nouveau roi du monde. And you know, et savez, anytime a president comes to power, et chaque fois qu'un président prend le pouvoir, he will bring a new system. Il va amener un nouveau système. He will bring some new elements, new things. Il va amener quelques nouvelles choses, nouveaux éléments. What did the devil brought? Qu'est-ce que le diable avait amené? Sickness. La maladie. Disease. Le contagion. Do you understand? He said to bring it. He opened hell. Il a ouvert l'enfer. He said, bring bacteria. Send sickness. Bring failure. Bring everything. Kill men ahead of time. On va les tuer avant le temps. That's what the devil brought. C'est que le diable avait amené. Are you still there? Amen. That's what the devil brought. C'est que le diable avait amené. When he became king. Il est devenu roi. Of the world. Du monde. He brought those things. Il a amené toutes ces choses. There is no sickness. Il n'y a pas de maladie. That is from God. Qui vient de Dieu. Do you understand? Amen. There is no sickness. Il n'y a pas de maladie. Even if you do something evil. Même si tu fais quelque chose de mauvais. It is the devil. C'est le diable. Who will step in. Qui va venir. Are you still there? Amen. That's the reason why. Voilà pourquoi. Even if you did something evil. Même si tu fais quelque chose de mauvais. Don't be afraid. N'aie pas peur. To go to God and say, Lord. D'aller chez Dieu et lui dire, Seigneur. Heal me. Guéris-moi. Don't allow the devil to say to you it is because of your sin. Ne permets pas à ce que le diable te dise que c'est à cause de ton péché. Nobody is healed by God. Personne n'est guéri par Dieu. Because he's righteous. Parce qu'il est juste. The man of God, Kenneth Hagin, tells the story. Un homme de Dieu a raconté une histoire. Kenneth Hagin went to preach in one church. Il est parti prêcher dans une église. And he started to pray for people. Il a commencé à prier pour les gens. He prayed for everybody. Prayed for a woman. Il a prié pour tout le monde et puis il a prié pour une femme. And then he went to sit down. Et il est parti s'asseoir. People got healed. Et les gens étaient guéris. Then the pastor of the church. Alors le pasteur de l'église. Called Kenneth Hagin. Appelé Kenneth Hagin. He said, "Can you tell me? I don't understand." Mais est-ce que tu me dis, je comprends pas. You see that sister there? Tu vois cette dame là? She's always in the church. Elle est toujours dans l'église. Faithful in everything. Elle est fidèle à toutes choses. But I pray for her, but she's still sick. Mais je prie pour elle, mais elle est toujours malade. I don't understand, pastor. Can you tell me? Because you have the gift. Est-ce que tu peux me dire parce que tu as les dons? Kenneth Hagin says. Kenneth Hagin a dit. I answered the pastor. J'ai répondu à ce pasteur. I said, I know why. Je sais pourquoi. Because when I was praying for that woman, parce que pendant que je priais pour cette femme, she was also praying. Elle aussi elle priait. So when Kenneth Hagin was praying for her, alors quand Kenneth Hagin priait pour elle, she was also praying. Elle aussi priait. What did she say to God? Alors qu'est-ce qu'elle a dit à Dieu? Kenneth Hagin heard her saying, Lord heal me. Seigneur guéris-moi. You know I'm the best in this church. Tu sais je suis la meilleure dans cette église. That's what she was saying to God. C'est ce qu'elle disait à Dieu. Say, Lord, heal me. Seigneur, guéris-moi. You have to heal me. Tu dois me guérir. You know I'm the best in this church. Je suis la meilleure dans cette église. That is the reason why. Voilà pourquoi. She was not healed. Elle n'était pas guérie. No sickness. Aucune maladie. Can come from God. Elle peut venir de Dieu. Everything that the devil can do. Tout ce que le diable peut faire. God can also do it. Dieu peut aussi le faire. Do you know that? Est-ce que vous le savez? Except the things. Sauf les choses. That God decided not to do which are contrary to his nature. Ce sont des choses que Dieu a décidé de ne pas faire et ces choses sont contraires à sa nature. God can lie. God can lie. Oh, Dieu peut mentir. But he will not lie. Il ne mentira pas. Because it is contrary to his nature. Ça sera contraire à sa nature. Do you understand? Amen. God can kill. Dieu peut tuer. In fact, when you fight a true child of God, quand tu combats un vrai enfant, you can end up fighting God himself. Tu peux faire comme si tu combats Dieu lui-même. God can also give sickness. Dieu peut aussi donner la but he doesn't do it. Il ne le fait pas. Because it's contrary to his nature. Ce sera contraire à sa nature. God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Are you still there? Amen. God is a good God. Dieu est un bon Dieu.
What about in the old times? The Bible says that he gave leprosy to Miriam. Il a donné la lèpre à Miriam. No. No. We are in the new covenant. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Covered by the blood of Jesus. Sommes couverts par le sang de Jésus. The price was paid for our healing. Le prix a été payé pour notre guérison. Do you understand? Amen. We are covered. Nous sommes couverts. We are covered. Nous sommes couverts. What is the will of God? Alors, quelle est la volonté when someone is sick? Quand quelqu'un est malade. The will of God. La volonté de Dieu. Is to heal the person. C'est de guérir la personne. That's the will of God for you. Ça c'est la volonté de Dieu. Your healing. Ta guérison. Is the will of God. Et la volonté de Dieu. Let's read the verse in the Bible. Lisons un verset de la Bible. Acts chapter 10. Actes des Apôtres chapitre 10. Verse 38. Le verset 38. Acts chapter 10 verse 38. Actes des Apôtres chapitre 10 le verset 38. The Bible says. La Bible dit. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. The Bible, you see, God anointed someone. Dieu a appointé quelqu'un. With the Holy Spirit and with power. Avec le Saint-Esprit et la puissance. The Bible says he went about. C'est-à-dire qu'il allait de lieu en lieu. Doing good. Faisant du bien. And healing. Et guérissant. All who were oppressed by the devil. Tous ceux qui étaient sous la puce du diable. Oppressed by the devil. Ceux qui étaient sous l'oppression du diable. The Bible calls sickness oppression of the devil. La Bible appelle la maladie l'oppression du diable. Are you still there? Amen. Moses, he healed everybody who were oppressed by the devil. Il a guéri tous ceux qui étaient oppressés par le diable. So sickness. Alors la maladie. Is the oppression. C'est une oppression. Of the devil. Il vient du diable. Until you accept it. Sauf si tu l'acceptes. You need to accept. Tu dois accepter. That any sickness. Que toute maladie. Anything evil. Is the oppression of the devil. C'est de l'oppression venant du diable. Because when you understand it, quand tu comprends cela, you stand your ground and fight. Et tu vas te lever et tu vas combattre. But if you think it is God who did that to you, si tu crois que c'est Dieu qui a fait ça, who can fight God? Qui peut combattre Dieu? No one. Personne. Since God did this to me, parce que Dieu l'a fait à moi, let me just sit there and wait one day. Laisse-moi you have His mercy. Peut-être un jour, il aura pitié de moi. Listen. Écoutez, number one. D'abord, you have to know in your mind that all sickness toute maladie is from the devil. Vient du diable. The Bible calls it the oppression. La Bible l'appelle l'oppression of the devil. Du diable. Number two. Deuxième. You need to treat. All sickness, toute maladie, in the same level. Dans le même niveau. Are you still there? Amen. You need to treat every sickness. Traiter toute maladie. In the same level. Dans le même niveau. Because you see, parce que tu vois, once the devil is involved, quand le diable est dedans, est impliqué. Once the devil is involved, quand le diable est impliqué, even a pimple can kill you. Même un petit bouton peut te tuer. Are you still there? Amen. Once the devil is involved, quand le diable est impliqué, many people died. Beaucoup de gens sont morts. And people will say, et les gens diront, he was well. Il était bien. He only had a little neck pain. Un mal de cou. Little headache. Un mal de tête. What happened? When the little headache starts, quand ce mal de tête a commencé, it's just a headache, it will go. Don't neglect any sickness. Because many people are in the graves today. Parce qu'il y a beaucoup qui sont maintenant dans les tombeaux. They didn't die of car accidents. Et ils sont pas morts de l'accident. They didn't die of cancer. Ils sont pas morts de cancer. They didn't die of HIV. Ils sont pas morts de HIV. Some of them. Il y en a parmi eux. Died for a small headache. Ils sont morts d'un petit mal de tête. Anything, any sickness, even if it's a small one. Même si c'est une petite maladie. Once the devil is involved, quand le diable est impliqué, it can become deadly. Ça peut devenir mortel. Are you still there? Amen. It can become deadly. Ça peut devenir mortel. That's the reason why. Voilà pourquoi. Anytime. Chaque fois. I feel any little pain. Je sens quelques petites douleurs. I'm saying in the name of Jesus, go. Dans le nom
nom de Jésus, va-t'en. Yesterday, yeah, I was talking to someone. Je parlais avec quelqu'un. And after the person wanted to, I don't want to say if it is he or she. Alors, I'll just say a person. Personne. We were talking. On parlait. And the person wanted to leave. Et la personne a voulu partir. Now I was in the car. J'étais dans la voiture. So the person couldn't greet me because I was not looking at her. La personne ne pouvait pas me saluer parce que je la regardais pas. I couldn't look at the person. Je ne peux pas. Then forget I said her. I couldn't look at the person. Je ne peux pas regarder la personne. No, the person did this. La personne a fait ceci. Okay, see you. Okay. Ah, yeah, see you. Okay, 2 seconds after. 2 seconds after. I started to feel electricity in my head. Je commençais à sentir comme c'était du courant. I didn't pray. Je n'ai pas prié. I just said, get! Je sors. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And by evening, et le soir, it stopped. Ça s'est arrêté. You don't know. Tu sais pas. Oh, he is who? Qui est qui? Amen. Are you still there? Amen. Some people. Brought evil to you without knowing. D'autres personnes ont amené de mauvaises choses. Without knowing. Sans conscience. They just know. Ils savent. That this person. Cette personne. Has a good relation with this person. A une bonne relation avec cette autre personne. Since I can't reach that person. Je ne peux pas atteindre l'autre. I will greet this person. Je vais saluer cette personne ici. And then you go and greet that person. Quand tu iras saluer l'autre personne. The transfer will go in. Le transfert va se faire. Not in me. Not in me. Not in me. Because I belong to Jesus. I have the blood of Jesus over me. J'ai le sang de Jésus sur moi. Are you still there? Amen. The will of God. La volonté de Dieu. Is to heal you. De te guérir. Is to heal you. De te guérir. Are you still there? Amen. God says he anointed Jesus. Il a oint Jésus. With the Holy Spirit and with power. Avec le Saint-Esprit, avec force. He went about. Il allait de lieu en lieu. From city to city. De ville en ville. Healing people. Guérissant les gens. Removing sickness from them. Et il enlevait les maladies. Because that's the will of God. Parce que c'est ça la volonté. To remove sickness from you. D'enlever les maladies. To remove sickness from you. D'enlever la maladie. That's the will of God. Ça c'est la volonté de Dieu. Are you still there? Amen. Let's read number 2. Lisons le deuxième. Matthew chapter 8 verse 2. Livre de Matthieu chapitre 8 verset 2. The Bible says. La Bible dit. From 2 to 3. De quoi? The Bible says, and behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be clean. Immediately his leprosy was cleansed. The leper man came. Et le leper est venu. He looked at Jesus at a distance. Il a regardé Jésus de loin. He said, Lord. Il a dit, Seigneur. If you are willing. Si tu le veux. Because some people. Parce que d'autres personnes. They ask questions. Ils posent des questions. Is God willing to heal me? Est-ce que il aura la volonté de me. Est-ce que Dieu a la volonté. Et Dieu a la volonté. To heal me. De me guérir. My answer to you is yes. La réponse c'est oui. Yes. Oui. God is more than willing to heal you, to deliver you, to bless you, to lift your life. God is more than willing. Dieu a la volonté de te guérir. No matter what is happening to you. Peu importe ce qui t'arrive. He says, Lord. Seigneur. If you are willing. Si tu le veux. You can make me clean. Tu peux me rendre pur. The Bible says. La Bible dit. Jesus. Jésus. Do you know leprosy? Savez la lèpre. Can be transferred from one person to another. Peut être transféré d'une personne à une autre. You know that, yeah? Vous savez. If you sit with someone who's a leper. Si tu es tout près d'un lépreux. You can be contaminated. Tu peux être contaminé. That's the reason why. Voilà pourquoi. They put them away from people. On les mettait loin de. Up to today, they put them away. Même aujourd'hui, on les met à l'écart. And anytime they went out, chaque fois qu'ils
sorte. They had a special clothes on them. Ils ont des habits un peu spéciaux là pour eux. For people to recognize them. Pour que les gens les reconnaissent. And to be careful. Et pour qu'on soit prudent. You understand? Amen. Now he came to Jesus. Alors c'est l'épreuve de Jésus. Lord, if you are willing. Seigneur, si tu as la volonté. You can clean me, make me clean. The man was still sick. L'homme était toujours malade. The Bible says, la Bible dit, Jesus touched him. Jésus le toucha. To show you how he was more than willing. C'est pour vous montrer combien il avait plus la volonté. You understand? Amen. He touched the person. Il a touché la personne. He didn't say, okay, be healed. No, sois guéri. I told you a story. We went to pray for sick people in the hospital in South Africa. On est parti prier pour les malades dans un hôpital à l'Afrique du Sud. Then, while we were praying, et pendant qu'on priait, there was a sick person, but his bed was covered with the curtain because they couldn't expose the person. Il y avait un malade qui était sur son lit, mais le lit était couvert par un rideau. Now, the woman was in, actually the son was in, but the mother heard us speaking Lingala. Okay, la maman avait, vous avez écouté parler Lingala. She was from Angola. Elle était de l'Angola. She opened the curtain. Alors, elle avait ouvert le rideau. And said, can you come and pray for my son? Elle nous a appelé à dire, pouvez-vous venir prier pour mon fils? We went in. On est parti. Me. Moi, Brother Armel was still praying for other people. Il y avait l'autre frère qui priait pour d'autres personnes. So I went in, me and Brother Patrick was from Cameroon. Je suis parti avec le frère Patrick qui était du Cameroun. When we opened the curtain, et quand on a ouvert le rideau, you need to have a heart. Tu dois vraiment avoir un cœur. Because the man, parce que l'homme, had wounds all over. Avait des plaies partout. You understand? Amen. I looked at the person. Je regardais la personne qui était malade. Brother Patrick, let's pray. J'ai dit à frère Patrick, prions. The Bible says, la Bible dit, you shall lay your hand on the sick shall recover. Vous poserez les mains sur le malade et ils seront guéris. So I laid my hand. I said, let's lay our hand on the person. Posons nos mains sur le malade. I laid my hand on that person. J'ai mis ma main sur la personne. And I saw Brother Patrick laying his hand on me. Il a mis sa main sur moi comme ça. Au lieu de poser les mains sur le malade. I said, I'm not sick. This person is sick. C'est la personne qui est malade. I didn't say anything. I just prayed. J'ai prié seulement. And we went out. Et on est parti. Said, brother, why did you lay your hand on me? Pourquoi tu as posé ta main sur moi? Because you didn't see the wounds that was on that face. My Lord laid hand on the leper. Mon Seigneur a posé sa main sur le lépreux. He was not contaminated. Et il n'a pas été contaminé. No matter how many times I lay my hand on a sick person, I will not be contaminated. Je ne serai jamais contaminé. You see, you are contaminated when you are afraid and you have doubts. Mais si tu peux être contaminé si tu as peur et tu as les doutes. But when you act in the name of Jesus, mais quand tu agis dans le nom de Jésus, there is another hand between your hand and the sick person. Il y a une autre main qui est là entre ta main et le malade. People will see your hands. Les gens verront ta main. But the hand of God will be somewhere there. Mais la main de Dieu sera quelque part. Because the Bible says, la Bible dit, God works a lot of miracles through the hands of the apostles. Dieu accomplit des miracles par la main des apôtres. He did many miracles through the hands of the apostles. Il a fait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. God needs your hands. Tu as besoin de ta main. And when you touch someone, quand tu touches quelqu'un, know that it's no longer your hands, it's the hands of God. Sache que ce n'est plus ta main, c'est la main de Dieu. Because only the hands of God, seulement la main de Dieu, are healing hands. Qui peut guérir. You understand? Amen. The Bible says, Bible, he touched the leper. Il toucha le lépreux. And he said, et dit, I am willing. Je le veux. Be healed. Sois pur. And the man was healed. L'homme était guéri. Matthew chapter 21. Matthieu, livre de Matthieu chapitre 21. We are about to pray. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Verse 12. Le verset 12. To 14. Du 12 au 14 verset. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who brought who bought and sold in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seat of those who sold doors. And he said to them, it is written, my house shall be called the house of prayer,
but you have made it a den of thieves. Then the blind and the lame came to him in the temple and he healed them. Are you there? Amen. The Bible says Jesus went in the temple. And he found people selling doves and goats and sheep. And the money changers. Et il y avait des changeurs de monnaie là. The Bible says Jesus took a robe. A pris un fouet. And he started to hit them. Il a commencé à les frapper. He overturned the tables of the money changers. Il a renversé les tables des changeurs. Do you think Jesus was doing it? Est-ce que vous croyez que Jésus le faisait? Being happy. Tout en étant content. Non. Come on now. He was upset. Il était en colère. So what are you doing? This is the house of my father. He overturned the thing. Il a renversé les choses. Kicked one of them. Chased the goat away. He was so upset. And being upset. Tout en étant en colère. Tous les blancs. And a blind man came. Il y avait deux affaires qui étaient venus. Why are you doing this? You're blind. Me. You're saying. Why are you doing this? Even when Jesus was upset. Même si Jésus était en colère. Yet he healed people. Pourtant il a guéri les gens. Show you how God is willing to heal. Pour vous montrer combien Dieu a la volonté de guérir. He could say to them. Il pouvait leur dire. Now leave me alone. Don't you see what these people are doing? Vous voyez ce que je fais ici? I'm upset. I'm not in a good mood. Je suis en colère. Je suis pas dans une bonne humeur. He was in a bad mood. Il était dans une mauvaise humeur. Yet he healed the leper. Et pourtant il a guéri les lèpre. A lame people. A lame person. Il a guéri les paralytiques. What are you doing? Que faites-vous ici? You can't say things in the house of God. Chose juste de la bête. What's wrong with you? Okay. See, you walk. You can say. So Jesus is more than willing to heal. Il a la volonté de guérir. Some people say that because I committed a sin, non, parce que j'ai un péché, God cannot heal me. Dieu ne peut pas me guérir. My question to you is, ma question aujourd'hui est, if you ask your child, si tu demandes à ton enfant, not to go out, de ne pas sortir. And you went out. Et pas que ça, when you come back, quand tu reviens, you found your child. Tu trouves ton enfant bleeding outside. En train de saigner dehors. Because he was hit by a car. Parce qu'il a été renversé par une voiture. Why? Pourquoi? Because he didn't obey what you said to him. Parce qu'il n'avait pas obéi ce que tu lui as dit. He went out. Il est sorti. Contrary to what you wanted. Contrairement à ce que toi tu voulais. Now he's hit by a car and he's bleeding. Mais là il a été renversé par une voiture et puis il a été saigné. Are you going to beat him up or are you going to call the ambulance? Est-ce que vas-tu encore le frapper ou alors tu vas appeler l'ambulance? Wicked as you are. Méchant que vous êtes. Jesus said. Jésus a dit. You give good things to your children. Vous donnez de bonnes choses à vos enfants. What about your heavenly father? À combien plus forte raison votre Père céleste? If you cannot beat your child. Alors si tu ne peux pas frapper encore ton enfant. When he's bleeding. Pendant qu'il est en train de saigner. Because he didn't obey you. Parce qu'il ne t'avait pas obéi. When you are bleeding. When you are bleeding, quand tu es en train de saigner, because you didn't obey God, parce que tu n'as pas obéi à Dieu, and the devil came and hit you, et le diable est venu te frapper, God will not hit you more. Dieu ne va pas encore te frapper. God will heal you first. Dieu va d'abord te guérir. Then give counseling to you. Et après, il va te conseiller. So don't allow the devil to say to you. Ne permets pas au diable de te dire. You are the one who provoked it. Et c'est toi-même qui as provoqué cela. Even if you provoked it, même si tu l'as provoqué, God, Dieu, will heal you. Te guérira toujours. You understand? Amen. God will heal you. Dieu te guérira. He said, "Wicked as you are." Il a dit, méchant que vous êtes. You know to give good things to your children. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. How much more? À combien plus forte raison? Your heavenly Father. Votre Père céleste. Who is so good? Qui est bon? He gives rain. Dans la pluie. To the wicked and to the good. Il fait pleuvoir pour les méchants et pour les justes. Let us bow. Inclinons de la prière. Inclinons. Cigars, please. Inclinons. He says, "I am the God, the Lord who heals." Il dit, "Je suis le Dieu qui guérit." They call him Jehovah Rapha. On l'appelle Jehovah Rapha. God who can heal. Dieu qui guérit. God who can change things. Le Dieu qui peut changer les choses. Don't allow the devil to talk to you. Ne permets pas au diable de te parler.
his teachings. Je suis même pas au milieu de ces enseignements. I still have many to tell, many things to tell. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Next Sunday, le dimanche qui vient, I will show the secrets. Je vous montrerai maintenant les secrets. How can you be healed? Comment est-ce que tu peux être guéri? Before anything, avant toute chose, I like it in your spirit. Je veux que dans ton esprit, you recognize, et que tu reconnaisses, you acknowledge, et que tu reconnaisses, that all evil that is happening to you, que toute mauvaise chose qui t'arrive, the devil is behind it. C'est le diable qui est derrière cela. That pain is in your body. Cette douleur qui est dans ton corps, it is the devil behind it. C'est le diable qui est derrière cela. God is not behind your sickness. Dieu n'est pas derrière ta maladie. God is a good God. Dieu est un bon Dieu. God is not behind what is happening to you. Dieu n'est pas derrière ce qui t'arrive. Especially not behind any sickness. Surtout pas derrière une maladie. God is not behind. Dieu n'est pas derrière cela. But the devil, le diable, is the one qui est derrière. I would like you to pray first of all. D'abord, to refuse, que tu refuses anything that is in your body, tout ce qui est dans ton corps, anything that is paining you, tout ce qui te fait mal, say to it, I refuse, I don't want you in my life. Dis à la chose, je te refuse, je te veux pas dans mon corps, dans ma vie. If it is failure that is following you, si c'est l'échec qui te suit, say to failure, I don't want you. Dis à l'échec, je ne te veux pas. Because you are not from God. Parce que tu n'es pas de Dieu.